recette asiatique. Voici un wok de porc au caramel accompagné d'un riz basmati à l'ananas. Une recette express délicieuse, très fruitée. On va tout d'abord commencer par préparer nos ingrédients. On commence par éplucher l'ail et l'oignon. On va hacher l'ail finement. Tout d'abord, moi j'aime bien l'écraser au couteau. Plus vous hachez l'ail, plus il colle. Alors la petite astuce, c'est de mettre un petit peu d'huile d'olive dessus, ça évitera d'en avoir plein les doigts. Ensuite, on va couper l'oignon et l'émincer. Et pour avoir un vrai côté asiatique, on peut l'émincer dans la longueur. Dernière chose, l'ananas, on va se servir que d'un quart. On enlève l'extrémité, la peau. On coupe l'ananas en petits dés. Dernière chose, on coupe la viande en petits cubes. Tous les ingrédients sont prêts, on va pouvoir passer à la cuisson. Pour les cuissons, on va commencer par cuire le riz. Tout simplement, dans une casserole, on met le riz. Puis on ajoute deux fois son volume en eau. On ajoute une pincée de sel. Lorsque l'eau du riz bout, on couvre, on baisse légèrement le feu et on laisse cuire environ 10 minutes. Pour saisir la viande, il nous faut un wok très très chaud dans lequel je mets un filet d'huile d'olive. On dispose la viande sur toute la surface et on va le cuire vivement. Lorsque la viande est colorée sur une face, on la retourne. Et on ajoute l'oignon ainsi que l'ail. On laisse cuire alors 3 minutes, tout en remuant. Une fois que les oignons, l'ail et le porc ont cuit environ 3 minutes, vous baissez le feu. Dans une petite casserole, je verse le sucre en poudre. J'allume au maximum et je vais laisser le sucre se transformer en caramel. Lorsque le caramel commence à se former, on peut commencer à mélanger pour incorporer le reste du sucre. Une fois que le caramel est homogène, on ajoute progressivement la sauce soja ainsi que le gnoc mam. Lorsque la sauce est homogène et qu'il n'y a plus de gros morceaux de caramel, eh bien on ajoute le gingembre en poudre. On mélange bien et on va ajouter cette préparation dans le wok de porc. On rallume sous le wok de porc à feu moyen et on va maintenant mélanger et laisser mijoter le tout environ 5 minutes. Le riz est cuit, le wok de porc au caramel est terminé, on va pouvoir dresser. Au dernier moment, on va ajouter les dés d'ananas dans le riz. Et on dispose notre riz dans une assiette creuse. Et on ajoute dessus le porc. Et on sert aussitôt. Vous pouvez aussi préparer ce wok avec des morceaux de mangue, par exemple, ou encore des oignons rouges.